Lève-moi-toi. Attends, va. Jesus. C'est comme ça son monde fait. Hi. Seul. Et elle dit que ça fait 11 ans, papa. Depuis 11 ans. Donc c'est comme ça qu'elle respire. Oui, papa. Son cas est grave, hein. C'est un marabout qui a fait ça. Et il est au Mali. Jesus. Il est au Mali, celui qui a fait ça. La dame ici confirme ce que tu viens de dire. Elle dit qu'elle-même, elle est malienne. Elle est malienne. Oui, papa. Elle dit qu'elle sent qu'elle a quelque chose dans le ventre, papa. Jesus. Mais attends, elle est partie à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Micro pour elle. Il n'y a rien dedans. On dit quoi? Il n'attend pas, hein? Merci, Dieu de Seigneur. Merci. Dieu de Seigneur. Acclame puissamment ceci pour ça. Wow. Elle est musulmane. C'est une femme musulmane. Elle est musulmane. Oui, elle est musulmane. C'est musulman. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Le premier qui lève la main, oh! This is power. Elle est complètement.
complètement bouleversé. Lève la main et dis merci Jésus. Merci Jésus. Wow. C'est fait. Amen. Oh là là. Et hey, tu peux pas pousser des cris de oh là là. Dali, tout à l'heure, m'expliquant Djula ce qu'elle disait. Uh-huh. Elle dit à cause de ce mal, uh-huh, elle n'arrive même pas à travailler. Uh-huh. Elle est obligée de commander la nourriture. Hey. À cause de ce mal. À cause de ce mal. À cause de ce mal. Aujourd'hui, Jésus l'a guéri. Le premier qui lève la main qui me dit amen fort. Que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, appelle dès maintenant et prends rendez-vous immédiatement avec le bishop Daddy Jekina et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de